Nous allons passer du sel de Guérande au système solaire, carrément. En passant par des arbres, en passant par un lac, en passant par plein d'univers différents qui peuplent le quotidien de Delphine Coutant. Bonjour Delphine. Bonjour Philippe. Ça va ? Ouais, très bien. C'est magique la nature ? Ouais, c'est inspirant. C'est inspirant, ça te nourrit ? Ben, ça me nourrit, oui. Déjà, moi, j'ai eu envie d'y travailler directement, hein, en étant en partie. Alors, d'abord cueilleuse de fleurs de sel, c'est-à-dire que je travaillais pour d'autres paludiers, tout en faisant de la musique. En fait, j'ai toujours fait de la musique. Et puis après, en cherchant à faire du lien entre ma façon de faire des spectacles et cet environnement qui, pour moi, est très, très inspirant. D'accord. Oui, puisque en fait, il y a eu les concertos perchés dans les arbres. Il y a les concerts dans les marais. Oui. Aussi. Oui. Alors les concerts dans les marais, c'était vraiment dans la continuité de la récolte, hein, du sel, parce que j'avais une saline avec un ami paludier, Pascal, et en fait, on a eu envie de faire se rencontrer un peu mon monde de la musique et de la poésie, et puis ce monde du sel qui est aussi très poétique. Donc on a commencé ensemble à organiser des concerts sur saline. Au début, c'était juste des concerts avec Daniel Trutet au violoncelle, donc juste un violoncelle posé sur une ladure, c'est l'endroit où on remonte le sel. Donc ça fait comme une petite scène avec une partie blanche, une partie argile, et puis avec peu de public, hein, parce que l'idée c'est quand même aussi de préserver cet environnement qui est absolument, c'est un écosystème précieux. Et puis en fait, ce rendez-vous a été vraiment très beau, et pour nous et pour les gens qui venaient. Donc on a eu envie de le rendre régulier. Et on a fini par créer ce qu'on a appelé le festival salé-perché, parce qu'il y a une partie salée dans le marais, toujours en prenant soin justement de cet environnement, et une partie perchée dans les arbres, puisque c'est une autre des folies qu'on développe dans mon association qui s'appelle Comme le Café. Donc il y a d'autres artistes comme Daniel Trutet, Virginie Clenet qui est chanteuse et danseuse, Christophe Bansard qui est élagueur. Oui. Donc moi je travaille beaucoup avec des spécialistes de la nature. D'accord. Sur le festival, il y a une botaniste, Aurélia Lachaud. Cette année, il y avait une ornithologue, Catherine Gentric. À la fois pour qu'on soit vigilant à prendre soin de cet environnement. Oui, parce que... Ouais, c'est ça. Et aussi pour... parce qu'on se dit que si on arrive à donner envie aux gens d'être attentifs à ce qui les entoure, que ce soit par le biais de l'art ou que ce soit par le biais de l'observation de la nature, on gagne quelque chose sur le plaisir d'être vivant déjà, et puis le soin qu'on a envie de porter à ce qui nous environne et aux autres. Extraordinaire, c'est extraordinaire. Et à des moments, tu te crées des bulles. Et ces bulles, ce sont ces moments où tu composes. Et tu nous disais que tu aimes beaucoup sortir des disques, donc composer. Alors moi, j'ai toujours adoré le travail de création. Je dirais même que pour ce qui concerne mon travail de chanson, je me suis d'abord considérée comme une auteure-compositrice avant de me considérer comme une chanteuse, comme une interprète. Et c'est très drôle parce que c'était l'inverse qui se passait par rapport au public. C'est-à-dire que, par exemple, dans les premiers articles de presse, sur mes trois premiers albums, j'étais toujours présentée comme la chanteuse Delphine Coutant sur un nouvel album. Et c'est très récent maintenant que ce soit l'auteur-compositrice sort un album. Alors que moi, je me suis toujours d'abord considérée comme une créatrice, à tel point qu'au début, j'étais pas forcément... dans des projets de scène. Je me disais, après tout, si je peux faire que des albums, ça me conviendra très bien. J'adorais faire de la scène en accompagnant d'autres personnes. J'ai toujours adoré les projets un peu fous aussi, dans les arbres, où il y a un engagement physique, parce que j'étais gymnaste quand j'étais petite, donc je trouve des connexions avec ça. Mais sinon, pour porter mon univers, où peut-être j'ai le sentiment de me mettre plus en danger, de davantage m'exposer. Ouais. Au départ, le fait d'aller rencontrer le public, c'était pas une évidence. Par contre, chercher dans mon petit laboratoire et m'autoriser un maximum de liberté, mais quel cadeau, enfin, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre un truc pareil.
parce qu'on découvre plein de choses. Tu testes plein de choses, tu... Alors, moi, j'ai le sentiment de tester plein de choses. Après, je ne sais pas si c'est ça, si c'est une palette variée qui apparaît, mais j'ouvre plein de portes et puis je me mets pas de limites. J'en ai forcément, on en a tous. Mais au moment où moi, je le fais, je me pose jamais la question de la limite, du format, j'y vais, quoi. Tu verras après, quoi. Ouais, je fais ma cuisine. Ouais. Et puis, j'aime après le travail aussi du son. J'aime le travail de studio. J'ai besoin d'y être. Je peux pas confier à quelqu'un en disant, ouais, voilà, tu mixes. Et, ouais. J'ai envie, j'entends des choses, je cherche des choses. Et tu les trouves. Alors, je les trouve avec, ouais, donc, avec l'équipe. Avec les équipes, ouais. Est-ce que la manière dont tu parles du studio, c'est comme la page blanche, en fait, qui est libre. Oui. Alors, encore que en studio, souvent on a beaucoup maquetté avant. Ouais. Moi, je fais aussi tout un travail toute seule avant. D'accord. Parce que le studio, souvent, ça a aussi un coût. Donc, oui, on n'a pas forcément 6 mois à passer comme oui, ça. Donc, c'est pas ça la réalité. D'accord. Donc, je cherche beaucoup toute seule, je maquette beaucoup toute seule. D'accord. Oui, la page blanche, c'est à ce moment-là. C'est plutôt là. D'accord. C'est plutôt là. Mais après, par exemple, sur le dernier album, La Nuit Philharmonique, qui a été réalisé par Mathieu Ballet, on a aussi cherché des choses ensemble parce qu'il y avait cette notion de... Mathieu avait dit, voilà, c'est un forfait que je te propose, et à l'intérieur de ça, on cherche aussi, quoi. Il a compris ta manière de fonctionner et il marche avec toi. On a fait ça sur cet album. Et sur cet album, il y a aussi, et d'ailleurs sur tous les albums, le visuel auquel tu accordes une importance énorme. En tout cas, le résultat, il est splendide. Oui. Alors, c'est un travail photographique de Denis Rochard. Et c'est vrai qu'on cherchait justement aussi la connexion avec la nature, mais sans que ce soit trop réaliste, c'est-à-dire que on puisse se poser la question de où je me trouve. En fait, on a été faire la photo au niveau du passage du Gois avec l'eau qui descend et qui monte très vite avant Noirmoutier. Faut faire attention. Faut faire très attention. Mais du coup, on avait une surface très lisse, avec l'eau qui faisait briller cette surface où on ne sait pas trop ce que c'est, de la vase, du sable. Et on a fait les photos de nuit. C'était complètement hallucinant. Et en fait, c'est vrai qu'au final, ça m'intéressait de plus trop savoir dans quel espace je suis de nuit. Et on pouvait penser à un paysage un petit peu lunaire. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, ça fait le lien avec le nouvel album sur lequel je commence tout juste à travailler, mais que pour le moment, j'ai appelé 2 systèmes solaires. Oui, c'est drôle. Donc voilà, les planètes, l'espace, l'univers, c'est assez présent. C'est génial. Avant de terminer justement par cet album-là, donc La Nuit Philharmonique nous renvoie à un travail que tu es en train de faire aussi, justement. Tu t'es dit, je vais prendre le temps de travailler l'écriture musicale. Pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a eu plusieurs raisons à ça. Donc, c'était il y a 4 ou 5 ans. J'avais le sentiment d'être peut-être un petit peu tout le temps à composer de la même façon, écrire de la même façon. J'avais aussi un sentiment un petit peu de... Alors, pas forcément d'échec, mais d'avoir pas saisi tout ce que je pouvais saisir Dans la musique, et y compris d'études musicales, parce que moi j'ai étudié le violon, mais j'étais petite, je savais pas du tout tout ce qu'on pouvait faire. D'ailleurs, c'était pas l'instrument que j'avais choisi, moi je voulais faire du piano. Donc quand j'ai pu arrêter, j'ai arrêté les cours, et puis après la chanson, je l'ai faite complètement en autodidacte. Au début, je me suis mise au piano toute seule, la guitare toute seule, la batterie, tout ça, pour pouvoir justement composer des choses. Et c'est donc sur le tard que je me suis dit, mais en fait, ces études de musique, on y fait quoi? Quand on poursuit, c'est quoi? Donc, la chance que j'ai eue, c'est dans le cadre du projet du Piano du Lac, c'est de travailler avec un artiste qui s'appelle Cédric Granel, qui est pianiste et qui est aussi professeur d'écriture au Conservatoire de Lyon. Ah ben voilà. Et donc, il m'a expliqué ce que c'était que le travail d'écriture musicale. Il m'a d'ailleurs invité à assister à 2 de ses cours en catimini. Voilà. Et donc pour me faire une idée de ce que c'était, puis là ça m'a fascinée en fait de me dire qu'il y avait plein de façons d'écrire la musique selon des esthétiques, qu'il y avait une logique dans les enchaînements d'accords, que même moi ce que je composais c'était forcément
régie issue de choses que j'avais entendues, la musique qui m'entoure, mais qui vient de quelque chose, qui vient... on a un héritage dont on ne se rend pas forcément compte parce qu'on est imprégné. En fait, on est dans un bain musical, mais on vient de cet héritage-là. Donc j'avais aussi envie de dérouler un petit peu toute l'histoire et de pouvoir me situer aussi dans une histoire musicale. C'est-à-dire, je me disais, bah, je fais des chansons, mais ça vient d'où aujourd'hui de faire d'être une chanteuse là, du 20e, voire du 21e siècle? C'est on vient d'où, quoi? Donc j'ai aussi pris des cours d'histoire de la musique. D'accord. Et c'est là que je me suis dit, ah bah ouais, en fait, je suis une sorte de troubadour, quoi, de Trobéritz pour les femmes. Et en même temps qui s'approche des musiques savantes pour apprendre justement les histoires d'écriture. Ça va du baroque au classique, au romantique. Là j'ouvre une palette énorme, j'apprends aussi donc l'orchestration, là c'est les timbres d'instruments, comment ils se placent dans l'orchestre. Donc je suis en train de me faire une palette incroyable. Ça fait 4 ans déjà. Ouais. C'est énorme. Ouais. Alors, parce qu'il faut qu'on ait le temps de parler du piano du lac, parce que c'est super intéressant. Le piano du lac, en quelques mots, c'est une aventure de dingue, en fait. C'est une aventure de dingue qui existe grâce à quelqu'un qui est un poète complètement dingue que j'adore, qui s'appelle Voël Martin. Donc Voël, il est pianiste et c'est aussi un constructeur complètement fou de piano. Il fait des pianos flottants, des pianos des neiges, des pianos cocktails, des pianos des mers, des pianos... Enfin, toutes sortes de pianos. Piano massage aussi. Des pianos volants, non? Il a fait voler un piano sous une montgolfière, c'est arrivé. Donc c'est lui, en fait, à l'origine de cette histoire. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer, il y a 5 ans, au début des tournées, en fait, du piano du lac d'été, qui associe à ces concerts flottants un dispositif de tournée où tous les jours on joue. En fait, tout le dispositif de tournée est pensé, c'est-à-dire qu'on a nos petites caravanes bleues qui nous suivent partout. Donc on dort au bord des lacs, tout ça. Chaque jour on s'installe, on est en autoproduction. Je parle trop. 10 secondes, on a plus de 10 secondes. Et ça va reprendre cet été? Oui, ça reprend cet été. Vous pourrez voir la suite en nous suivant sur le piano du lac, voilà. C'est une aventure magique que vous faites tout l'été sur les lacs, partout où on vous invite, ou vous allez chercher ça demain. Bravo. Merci. Merci Delphine. Merci. Et puis les systèmes solaires, c'est sympa après.